les maladies bucco-dentaires, je dirais, c'est une vraie réalité à Jigenshor. Vraiment, c'est pratiquement la maladie la plus répandue à Jigenshor, pratiquement dans le Sénégal. Même mondialement, les maladies bucco-dentaires sont les maladies les plus répandues dans le monde. Mais particulièrement à Jigenshor, on en reçoit beaucoup concernant beaucoup de maladies bucco-dentaires, à savoir les caries, les maladies gingivales et tant d'autres maladies bucco-dentaires. Les causes, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de causes qui amènent certaines maladies bucco-dentaires, à savoir l'alimentation, à savoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire, surtout la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Quand on mange certains aliments sucrés et qu'on part au lit sans se brosser les dents, la cavité buccale naturellement a des bactéries. Et ces bactéries utilisent ce sucre-là pour créer ce qu'on appelle des caries dentaires. Il y a d'autres facteurs. Il y a des gens qui sont nés avec des malpositions dentaires. Et ces facteurs dentaires-là peuvent emmagasiner des aliments et à la longue créer beaucoup de maladies, à savoir une gingivite. Une gingivite, c'est les gencives qui saignent. Maintenant, concernant la carie, si vous mangez des aliments sucrés sans vous brosser les dents, le sucre que vous mangez là, à savoir le lait, les jus de fruits, le sucre, tout ce que vous voulez, les bactéries qui sont en bouche, qui sont naturellement en bouche, utilisent ce sucre-là pour créer des cavités, des caries. L'hygiène bucco-dentaire est primordiale. C'est pourquoi je conseille à tout le monde de voir chaque, au moins, même si vous n'avez rien, d'aller voir un dentiste une fois au moins dans l'année pour faire un détartrage, le fait d'enlever les taches qui sont en bouche. Si vous ne faites rien, il y a la mauvaise haleine, et la mauvaise haleine, elle est insupportable. Elle est causée par beaucoup de choses, cette mauvaise haleine-là. Donc c'est intéressant de voir, même si on n'a rien, de voir systématiquement un dentiste au moins une fois dans l'année.